on pourrait se poser une question, pour bien commencer cette émission, à savoir, mais quelle série de jeux vidéo ne fête pas son anniversaire cette année ? Il y a du anniversaire de Resident Evil, il y a de l'anniversaire de Zelda, il y en a plein d'autres en réalité, mais il y a aussi Sonic. Sonic the Hedgehog. Ben oui, 1991-2021, il fête donc ses 30 ans, et Sega nous avait promis pas mal d'annonces. Alors pour l'instant, ça se bouscule pas véritablement au portillon, on va dire, en termes d'annonces officielles, mais à la fois l'E3 approchant, on se dit que ça va peut-être se préciser un petit peu. En attendant, il y a quelques rumeurs. Et la dernière en date, eh bien regardez, elle fait part eh bien, d'un New Sonic Collection. Eh oui, histoire de repartir dans le passé, de regoûter un petit peu au charme rétro pour fêter l'anniversaire. Alors, d'où ça sort, comment ça se passe? Eh bien, c'est le site So Gamely qui a listé un Sonic Collection, voilà, version européenne sur PS4. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce qu'il s'agirait donc d'une énième compilation rétro gaming, histoire de susciter un petit peu les mémoires des joueurs? J'ai l'impression que Sonic, il est ressorti, mais 457 millions de fois, sur toutes les plateformes, sur les mobiles, sur les consoles, rétro gaming, enfin, bref. Bah vous me direz un petit peu dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous ferait plaisir, à la fois quand on fête un anniversaire, les 30 ans en l'occurrence, c'est sûr qu'on a un peu tendance à repartir dans le passé et à se souvenir de le temps jadis, quand c'était doux et agréable, quand nous étions encore des enfants, et à quel point la mémoire, les souvenirs peuvent parfois enjoliver un petit peu la réalité aussi. Mais ceci est un autre débat.